Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une aire d'atterrissage. Par contre, je vais aller fermer juste la fenêtre que j'ai ouverte pour faire un petit peu aérer vu que là on est le matin. Donc je vais aérer, je vais fermer et après j'arrive. Attendez. Voilà. Alors. Donc non, la moque c'est l'aire d'atterrissage quoi. Donc on a le vaisseau d'Obi-Wan et d'Anakin. Voilà. Par rapport à la dernière moque que j'ai fait de la capture, j'ai beaucoup changé de truc en fait. C'est plus le même type en fait. Voilà. Donc je vais commencer par là et après je vais faire dehors, à l'intérieur et au mini poste de commande. Donc je crois que j'ai vraiment. Celle-là aussi, j'ai vraiment bien réussi. En fait, je pense. Je pense que. Ouais, elle est vraiment bien réussie, celle-là aussi. On a deux clones qui gardent. Pour réparer. Un petit PC, là. Je vais zoomer dessus. Un petit PC. Voilà. Donc, aussi, les gars, il faudra me dire. Si, déjà, il y a aussi des petites infos. Il faudra me dire si vous voulez que je fasse une petite comparaison sur ces deux vaisseaux. Qui sont pas les mêmes, donc celui de Obi-Wan et celui d'Anakin. Et si vous voulez que je refasse des bricules, donc ce sera minimum 10 likes pour tout ça. 10 likes, 5 pour les bricules et 5 pour les comparaisons de vaisseaux. Sinon, au pire, si vous voulez pas, je la ferai quand même parce que j'ai bon envie de faire ce genre de trucs, des petites comparaisons, des trucs comme ça. Voilà, donc voilà, là je crois que c'est bon. Donc là, je vais faire dehors et puis après, je vais faire de l'autre côté, de ce côté-là ici. Donc, ici, on a le canon et en fait, je l'ai mis, on va dire, je sais pas trop, sur le côté quoi, si on veut. Là. Voilà. Donc, il est un peu sur le côté. Donc, je me suis dit que, en fait, ça pouvait être bien comme entrée d'air d'atterrissage ou de base, un truc comme ça quoi. Que c'était. Sur un côté comme ça, mais bien sûr j'aurais pas remis de plaque là parce que ça aurait été inutile. Et merde. Bon. Petit problème. On va dire c'est pas très très grave. Pas très très grave. Mais je vais quand même le refaire rapidement. Donc. Alors. J'ai juste mis ça comme ça. J'ai pris ça là et là. Et j'ai mis ça là. Et là. Voilà comment je l'ai mis. Voilà. Et puis ça là. Toujours la même échelle, mais différente. Voilà. Voilà. Donc là ici on a un clone qui revient. Là ici on en a deux avec des caisses et peut-être du matériel ça pour faire le transport de caisses. Sinon c'est la même végétation, j'ai gardé la même. J'avais pas très envie de changer en fait, parce que je trouvais que la végétation aussi elle est pas mal. Et que bientôt je ferai également peut-être des mini-mocks, et je ferai également peut-être une mini-mock sur celle-ci, sur une petite plaque comme ça. Voilà. Sur laquelle j'avais fait mon petit tuto barricade, c'était sur ça. Donc là il y a le clone qui parle et qui va entrer dans l'aire d'atterrissage, genre pour un message ou pour revenir à la base. Là, après là j'ai mis une barrière un peu. J'ai mis une barrière Lego City. Ah mince, j'ai oublié de retirer ça. Une barrière Lego City, mais bon, c'est pas très grave, hein. Je peux le faire. Et là, c'est comme ça le système. Voilà. Voilà, Anakin et Obi-Wan. Ici, j'ai rajouté des gardes du Sénat. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal aussi de mettre un peu plus de personnages et que cette manque serait plus tranquille que les autres, quoi. Il n'y aurait pas trop de combats et tout ça. Ici on en a deux autres aussi et là on en a un. Donc là je tourne un peu le mode. Voilà. Donc également là. Donc aussi je filme avec un trépied du coup c'est un peu difficile de se baisser. Comme j'ai un peu la flemme. Voilà. Donc là ici et là on a ça. Donc les trucs que vous voyez au fond c'est des petits vaisseaux. Mais je vais expliquer après ça. Et donc là on a un clone avec un snipe qu'on voit. Là ici on a un peu l'entrée de la porte. Ici on a deux clones avec autour des caisses.
Donc, pourquoi je prends un trépied? Parce que, justement, pour retirer ça, ce qui est là, c'est plus simple. Là. Ça se barre en couille. Alors voilà. Donc là, c'est sur le toit, c'est pas trop décoré. Parce que je voulais mettre pas trop de trucs pour que ce soit pas trop chargé. Et puis c'est un petit poste. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de choses. Là, donc on a un sergent. Bah, deux sergents parce qu'en fait, quand je l'ai acheté, c'était un sergent V1. Custom quoi, voilà. Et bah là avec un sergent sur le poste de commande avec son arme là, et l'autre il a son arme dans sa main. Là j'ai rajouté ça aussi. Alors je vais en mettre sans essayer que ça se casse la gueule cette fois-ci. Donc en fait j'ai mis ça comme ça pour pouvoir retirer facilement. On va passer au dernier côté. Alors. Ce côté là. Voilà, donc là celui-là il est prêt à partir. On peut y accéder de ce côté mais j'ai oublié de mettre un truc pour bloquer quoi, mais c'est pas très grave. Voilà, celui-là il est prêt à partir. Et celui-là, ici, bah. Bah il est bah rangé quoi, donc ça fait une sorte de petit hangar. Donc là j'ai rajouté ça là, comme je me souviens plus où j'ai mis les trucs qui sont comme ça. Donc ça c'est le battle pack de cette année avec Ki-Adi-Mundi et Marie Sophie et deux clones pas un. Là ici en fait là j'ai mis des trucs comme ça pour par exemple un rayon laser quoi, si je la retire ça fait ça, voilà, ça demande une ouverture comme ça. Mais là je l'ai mis là pour bah, par exemple si une attaque bah, que ce soit protégé, que les ce soit pas détruit directement quoi. Voilà, donc c'est tout pour cette moque. Et puis bien entendu redites-moi pour bah, les briques fines et la comparaison des deux vaisseaux d'Anakin et de Obi-Wan. Juste parce que j'aimerais bien en faire une quoi. Voilà. Et donc, et voilà, ça va être tout ça.